de police parce que tamit ñu am ki lañu en tout cas c'est des gens braves yo xamanteni ils ont subi pas mal de difficultés ndax xawma ndax am ngeen sellu amona ay temps deggutul len won fekk mu amone yenn problème mais bon yalla def na ba légui ils ont de ces matériels nouveaux quand même en tout cas ba tay waxatu ñu fanfare sax légui musique lañuy wax depuis 1978 donc di len délo djugal bu baax kon gatchu gala ba lolu mën nañu wax ni yokku am na ci biir la police nationale way holland li rek lu di fatali hein lolu jaay ko ko sian do ko yalla yeureup yok leram wa sambu njabotam donc li nga xamanté moy héritage am ñu mën ko perpétuer davantage parce que tout le monde duru am na ribam hein depuis 5 ans fay légui ah ko jere ci kini di ah ñi nga xamanté né ñoy doom duru njaay ba tay ñi ngi accompagné majorité kéré di nga xamné c'était une idée du président Léopold Sédar Senghor, le président poète, homme de culture, chantre de la civilisation, de l'universel, du donner et du recevoir et de la négritude. Et il est important de rappeler que lors de la célébration du bicentenaire de la Révolution française en 1989, Ndiaye Coumba-Rose a été invité. Donc il a parlé avec ses danseurs, danseuses, ses batteurs-batteuses sur l'avenue des Champs-Élysées. Et voilà, nous rendons hommage à Doudou Ndiaye Coumba-Rose décédé en 2015. Donc c'est lui qui a créé ses majorettes vers les années 70. Et on peut dire quand même que le lycée Kennedy, créé en 1961, depuis cette année, ce lycée quand même accueille des élèves qui excellent. Et avec ses majorettes, c'est toute l'excellence qui est saluée. Donc tout à l'heure, elles vont saluer, elles vont se positionner pour symboliser la devise « Un peuple, un peuple, une foi ». Elles vont former des cercles qui vont signifier l'entente, la sécurité, l'environnement, l'entente avec la sous-région, l'ouverture vers l'extérieur. Et peu après, il y aura deux X qui vont être formés, des X rapprochés, qui vont symboliser l'éducation à la citoyenneté, l'entraide. Donc, il y aura deux banderoles, notamment en premier lieu, un peuple, un peuple, une foi, la devise du Sénégal, et en deuxième lieu, il y aura le Sénégal émergent, puisqu'on parle d'émergence. Voilà. Et rappelez que c'est Madame Yama Djemé Djedjou qui est aujourd'hui leur guide, c'est elle qui les oriente, donc depuis 1985. Parfait. Thank you.
Les majorettes sont habillées par Madame Tiane Tchou, styliste ancienne majorette. Voilà, chef. Les majorettes du lycée John Fitzgerald Kennedy. École créée en 1961. L'actuelle directrice est Madame Fatimata Sorsar qui m'a parlé la dernière fois quand j'étais parti visiter cette école pour voir comment sa réhabilitation a été faite. Que c'est une école, certes, qui accueille des filles qui vont représenter l'élite nationale demain, mais c'est également une école qui fait beaucoup dans le social et qui accueille des filles quelque part qui ont connu une certaine déperdition scolaire et qui, avec leur proximité avec ces jeunes filles majorettes qui ont toute la moyenne, hein, au-delà de 12, ça permet de créer une émulation au sein de l'école et de les amener à comprendre que, ouais, il est possible également d'être majorette un jour et de défiler devant la plus haute institution du Sénégal, en l'occurrence le président de la République, mon colonel. Oui, tout à l'heure on a parlé de compétition, mais pour ce qui est des majorettes, généralement ce sont les deux majorettes, on leur donne des trophées. Parce qu'il est très difficile de les départager, ah oui. Parce que c'est des efforts assez extraordinaires qu'elles fournissent, toutes les deux, aussi bien Notre-Dame que le lycée John Fitzgerald Kennedy. Et à chaque fois, elles nous gratifient d'un très beau spectacle. Donc on les récompense.